Hey, salut YouTube, j'espère que tout le monde se porte bien. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes à New York Kennedy. Nous allons effectuer un vol jusqu'à Washington DC, aéroport de Ronald Reagan. Et nous espérons pouvoir effectuer une approche, celle de la rivière du Potomac. Ça sera une approche visuelle. Donc nous avons une Boeing 737-800 de la compagnie American Airlines. Première chose, nous allons aligner les IRS d'abord. Ok, nous pouvons aussi mettre nos ceintures de sécurité sur la position automatique. Ok. Voilà, maintenant, nous allons consulter nos informations météorologiques. Le vent vient du sud, 180 degrés, avec une intensité de 21 nœuds quand même, et des fois même ça atteint 26 nœuds. La pression barométrique est de 30,18 pour le moment. Ok, INITREF pour la position, nous sommes à New York Kennedy. Et nous allons à la deuxième page, nous allons prendre la position GPS de gauche, mettre. Et donc la position de l'aéroport et la position actuelle de l'appareil sont d'accord. Et nous allons à DCA. DCA et aujourd'hui nous sommes American Airlines 83. Nous allons nous attendre à la 22 droite aujourd'hui. Ok, et pour notre voie de départ, nous allons direct sur RPP, c'est le VOR de Robbinsville. Voilà. Ensuite, nous allons prendre la voie aérienne J230. Et cette voie aérienne va se terminer à Coppès. Ensuite, nous allons prendre la J75. C'est une autre voie aérienne. Et celle-ci va se terminer à MXE. Et nous pouvons activer notre trajectoire. Ok, maintenant nous pouvons aller sur départ-arrivée. Départ sur qui va nous donner la Kennedy 4. Sinon, nous allons changer la programmation de notre FMC. Et pour l'arrivée, nous allons prendre la Cooper 2. C'est notre star avec une transition à MXE. Et nous allons nous attendre à la piste 19 aujourd'hui et nous allons effectuer une approche visuelle aujourd'hui. Et nous allons nous assurer qu'il n'y a pas de discontinuité. Voilà. Ok, INITREF pour initialiser le poids d'appareil. En ce moment, nous avons 143 200 livres avec un poids sans carburant de 131. Nos réserves seront de 5,5 à l'arrivée. Notre coup d'index est de 80 aujourd'hui. Et notre altitude de croisière est de 22 000 pieds. Les vents en croisière viennent de l'ouest, 281 degrés. Avec une intensité de 3 nœuds. Nous avons une déviation ISA de moins de 2 degrés Celsius. Voilà, moins de 2 degrés Celsius pour la déviation ISA. On exécute. OK. OK, notre poids total pour le décollage. Nous avons 142 600 livres sur un poids maximum de 151 000.
Nous allons prendre tirer du take-off avec une température assumée 36 degrés et nous allons prendre TO2 aujourd'hui. Nous allons prendre flap 5 et notre centre de gravité est de 24,1, ce qui correspond à un trim de 4,78. Ok, V1 140, VR 140, V2 145. Ok, donc nous pouvons configurer notre V2 plus 15, donc 160 sera notre vitesse initiale. Et sans doute, il va nous donner 5000 pieds selon les chartes ici à New York. On peut mettre le directeur de vol du capitaine et le directeur de vol du co-capitaine. Et ensuite, nous pouvons armer auto-throttle. Ok, nous allons contacter la tour de contrôle. Notre heure de départ, c'est à peu près dans 14 minutes à 23h50 Zulu. Oh, ok, maintenant nous avons le centre de New York sur la 125-32. Voilà. Center, good evening. American 83 at JFK on the ground requesting clearance to DCA. American 83, New York Center, good evening. Clear to Washington National Airport. Kennedy 4 departure. Radar vectors Robbinsville and its files. Maintain 5000. Expect level 22010 minutes after departure. Departure at this frequency block 6626. Okay, clear to Ronald Reagan Airport and Kennedy 4 departure, radar vectors to Robbinsville. Maintaining 5000, squawk 6626, and we'll be with you on departure, American 83. American 83, read back correct. Information echoes current, advise ready to taxi. Well, advise when ready to taxi, American 83. Ok, donc il nous a donné exactement ce que nous avons programmé. 224, c'est la voie de départ. Average cargo heavy. Ok, nous allons configurer l'appareil. D'abord, nous allons tester l'oxygène. Voilà. Ok, maintenant nous allons tester le système d'extinction d'incendie dans les réacteurs ou l'APU. Voilà. Et maintenant nous pouvons démarrer l'APU. Nous allons mettre une des pompes à kérosène en ligne. En profitant pour mettre le yard d'encore New York Center, good evening. Pour mettre aussi le Dream Air. Freinage automatique sur Center, RTO. Southwest 880, turn left heading 040. Et maintenant, nous allons tester notre TCAS. Et mettre notre code transpondeur. Adjust vertical speed. Adjust, climb, descend, increase, climb, increase, descend. Voilà. Increase, descent, maintain vertical speed, maintain, maintain vertical speed, crossing, maintain, monitor vertical speed, TCAS test, pass. Et le test TCAS est réussi. Voilà, maintenant nous allons tester les alertes en cas d'excès de vitesse. Et maintenant les alertes en cas de vitesse de décrochage.
Maintenant, nous allons tester les flaps et les slats et les spoilers. And, voilà. Maintenant, on va tester l'enregistreur de vol. Normal. Ok, window heat power test. Window heat test. Check. Maintenant, nous pouvons allumer le chauffage des pare-brise. Normal. Ok. Départ moins 8 minutes. Airbridge Cargo 55 Heavy Radar Contact failed. Nous allons tester notre GPWRS. Airbridge Cargo 55 Heavy Climb and Maintain 1-7 voilà. Down. Pendant que ce test est en cours, nous allons tester les témoins de pilotage. Maintenant, nous allons tester tous les témoins. Nous assurons qu'il n'y a pas d'ampoule grillée. Voilà, tout me paraît normal. Bank angle. Nous pouvons arrêter ce test. 2500 1500 500 400. On met le reste où on met les pompes hydrauliques en ligne 17, et le reste des pompes 30, à kérosène. Wind shear. Too low. Terrain ahead. Voilà, le test GPWRS est terminé. Line 17, Roger, you're clear than your class Calvary space currently. Remain clear, advise on this frequency if you'd like to enter for radar service. Et la deuxième fréquence pour Unicom sera en 22-8. Southwest 880, send and maintain 4000. Ok, une dernière chose à programmer. Notre arrivée à Washington, nous allons mettre des cercles pour nous indiquer notre distance depuis l'aéroport. Rayon de 30 miles nautiques, rayon de 15 miles nautiques et enfin un rayon de 5 miles nautiques. Airbridge Cargo 55 Heavy, clear direct Robbinsville. Roger that, direct Robbinsville for Airbridge Cargo 55 Heavy. Grounded cockpit, tow is driving up. Voilà, le temps que le tow arrive, nous allons déconnecter. Pour le personnel au sol, on va déconnecter la passerelle. Ok, maintenant pour le départ, anti-collision lights on. Et le système de régulation de la pression. Et 22 000 pieds. Et à l'arrivée, nous pouvons laisser l'altitude sous zéro. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Line 17, Roger. Voilà. Notre pushback truck se connecte. Delta 2646, wind 23h46 en ce moment. Donc c'est un départ à l'heure, on le considère comme départ à l'heure. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake.
Okay, parking brake release. Starting pushback, and you may start engine. Et voilà, c'est parti. Que nous avons reçu l'autorisation de démarrer les réacteurs. Donc nous allons éteindre les PAX. Mettre le contact du réacteur numéro 2 sur ground. Et nous allons observer la rotation N2 augmentée. À 25%, nous introduisons le kérosène. Et on continue à observer les paramètres du réacteur. Maintenant, nous avons la rotation N1 et aussi la température augmente. Air bridge 55, heavy climbing tank level 340. Roger that, climbing main 340, Roger Scrap 55. And permission to step outside for FNN. Air bridge cargo 55, heavy, Roger, report back on 3. Ok, le temps que le pushback finisse, je vais vous montrer notre voie de taxi. Ok, nous voilà, nous sommes au terminal 8 à New York. Pour la voie de taxi, il va probablement nous donner Alpha, Lila, Delta, Charlie, Echo. Donc nous allons prendre comme ça. Pour décoller depuis ce point. Voilà. Ok, 7 parking brakes, c'est fait. Disconnecting tail. Nous pouvons stand démarrer by. Le réacteur numéro 1. Et même procédure, on garde un œil sur la rotation N2. À 25%, nous allons introduire le kérosène. Voilà. Maintenant, nous gardons un œil sur la rotation N1 et la température. Line 17, say again, you're transitioning east now, is that correct? Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Can't signal on the left. We'll see you next time and have fun up there. Thank you. We'll see you next time. Voilà, le réacteur 1 est bientôt stable. Voilà, maintenant c'est stable et la température se stabilise aussi. Donc, nous allons mettre les générateurs en ligne, on éteint la PU bleed, on met le valve d'isolation sur auto et on remet les packs sur auto. Delta, nous pouvons nous débarrasser 59, de la PU, heavy, fly, runway heading, runway two, two, right on met les engine start switches sur le mode continu, on allume les lampes de taxi et on allume le chauffage des capteurs. 4,225,000. Et flight controls check. Aileron full left check. Aileron center check. Aileron full right check. Elevator full down check. Elevator center check. Elevator full up check. Rudder full left check. Rudder full right check. Rudder center check. Okay. Flight control checklist completed. Et maintenant, flaps 5. Voilà. Maintenant, nous allumons notre transpondeur. Et puis, nous allons demander l'autorisation de taxi. New York Center, American 83, ready for taxi. American 83, runway 22, at Charlie taxi via Alpha, Whiskey, Charlie, cross runway 13 left. 22 right, Alpha, Whiskey, Charlie, cross 13 right, American 83.
Okay. Alpha Whiskey Charlie. Runway crossing 13 left. Cross runway 13 left. Cross runway 13 left. Sorry, American 83. Okay, on enlève le frein à main. 45. Cross. Et voilà. Clipper at and maintain 12000. Baltimore altimeter 3016. Okay, nous allons tester. Clipper at 12000. Le takeoff config, okay. Ça va. Pas d'alerte sonore. Southwest 880 heading airport 1 o'clock 6 miles port side. Okay, et la prochaine intersection sera Alpha. Nous allons prendre une route sur Alpha. Clear visual approach runway 22 left, runway 22 left, clear to land, wind 19020. Ok, nous allons mettre le radar météorologique. On va libre à gauche et à droite. Voilà. Ok, voici la voie Alpha. Airbus 55 Heavy Roger. Delta 5998 radar contact altitude. Southwest 880, verify quick land. Okay, before takeoff, checklist pour le MCP, nous avons speed 160, heading 224, altitude 5000 pieds. Okay, pour les vitesses de décollage, nous avons V1 140, VR 140 et V2 145. Et pour notre pitch trim, nous avons 4,78. Et pour nos flaps, nous avons 5 sélectionnés et 5 indiqués. Voilà notre 737-800. Ok, nous avons bientôt atteint la piste. Nous visons les hôtes stellaires. Mr. Okay, the cabin is secured. Have a good flight. Yes, sir, we'll be closing. Thanks, no further agency available. Radar service terminated. Breach exchange crew, good night. Was that for finding something? Line 17, affirmative. Probably. Okay, voici. Delta 5998, your center is closing radar service terminator. Some qui se déconnecte. National aircraft, your center is now closed, no further ATC available for you to change your crew tonight. Alright, il est déconnecté. Donc nous allons sur la 122-8. Approaching 2-2, right. Voie libre à gauche, voie libre à droite. Nous allons mettre les lampes d'atterrissage et nous allons mettre les strobe lights aussi. Approaching runways. On runway 2-2, right. Ok, nous sommes sur la piste. Donc nous engageons le chronomètre, traversons le manche de contrôle et nous avançons les accélérateurs pour stabiliser les réacteurs sur 40% au minimum. Voilà, les deux réacteurs sont stables. To the power. Eighty knots.
V1. Rotate. Positive rate. Okay, flaps in. Flaps up. Okay. On peut éteindre le freinage automatique et débarrasser des lampes rétractables, de même que les runway taken off lights, pardon. Okay, after takeoff checklist, landing gear up and lock, flaps zero. Takeoff checklist completed. Okay, bientôt à Robbinsville. En ce moment, nous avons exactement 10 tonnes de kérosène. Nous allons consulter notre plan de vol pour voir notre plan de vol Robbinsville après 9 minutes et 9,5 tonnes de kérosène. Donc ça va, nous en avons 10 pour le moment. Nous sommes presque à Robbinsville. Bon, maintenant, je vais engager le pilotage automatique. Voilà, bientôt à 22 000 pieds, pardon. Ok, voici notre approche. Donc, voici l'aéroport. Nous allons prendre la piste 19. Et vous voyez cette zone-ci directement. Devant la piste, c'est une zone interdite. Il est interdit de survoler cette zone jusqu'à 18 000 pieds. Donc, de ce fait, nous ne pouvons pas effectuer une approche étant donné que c'est une zone interdite. Voici le Washington Monument, et ça, je pense que c'est le Congrès ou le Sénat des États-Unis. Et la Maison Blanche doit être quelque part. Donc, du fait que nous avons une zone interdite de survoler ou à survoler, nous allons devoir prendre une approche visuelle, n'est-ce pas? Donc, nous prenons l'approche visuelle en suivant la rivière du Potomac. Et tout au long de la rivière, il y a des repères. Donc, d'abord, à 6 miles nautiques, il y a un premier pont et il est recommandé de dépasser ce premier pont à 1800 pieds. Et ensuite, à 4 miles nautiques, nous devons être à 1500 pieds. 3 miles nautiques, il y a un autre pont à 900 pieds. Et ensuite, il y a un autre pont ici, le pont d'Arlington, et puis il y a le George Mason Memorial Bridge, puis
le dernier pont, nous devons commencer à effectuer notre virage, grand virage un peu serré, pour nous aligner avec la piste 19, pour mettre l'appareil au centre. Voilà, donc c'est ça l'approche que nous allons essayer d'effectuer. Nous allons voir si on y réussira ou pas. Donc sur le flanc gauche, nous avons la piste 19. Mais rappelez-vous, ceci est une zone interdite à survoler. Donc, il va falloir faire le tour et suivre la rivière pour une approche visuelle. Et tout droit devant nous, nous avons l'aéroport de Washington Dulles. Nous allons confirmer en mettant aéroport. Voilà, IAD, tout droit devant nous, 20 miles, à 20 miles nautiques. Donc nous allons diminuer notre vitesse à 190 pour le moment. Et l'approche va se passer très rapidement. Et la majeure partie de l'approche finale, nous allons voler ça manuellement. Flaps 1. Nous allons mettre le reste des lampes d'atterrissage, lampes de taxi et les runway turn-off lights. Premier pont, nous devons être à 1800 pieds. Donc voici la rivière que nous allons suivre. Et nous avons flaps 5 avec une vitesse
à 170. Voilà. Donc bientôt nous allons prendre l'appareil en main et nous allons déconnecter le pilotage automatique. Bon, l'aéroport est bien visible, donc en ce moment nous avons atteint le minima. Et nous allons diminuer notre vitesse davantage. You down? 1,000 to go. About 15. 2,500. Notre spoilers. Thousand feet stabilized, Mr. Perch, altitude set. Approaching 1-9. 300. Voilà, on continue. Minimums. On continue, on continue. 200. Landing, 5,000 feet remaining.
under stress. Knots. Check. Idle reverse. Two thousand remaining. Donald Founder. La prochaine sortie. Nous pouvons éteindre ou rabattre les spoilers. Voilà. Nous allons continuer notre taxi par la voie Juliette. Et nous allons éteindre les pop-heat switches. Nous allons éteindre les démarreurs, éteindre les lampes d'atterrissage et aussi éteindre le strobe light. Et nous allons continuer sur Juliette. Réacteur numéro 1 éteint. APU est disponible. Maintenant, réacteur numéro 2 éteint. Anti-collision. Un peu d'éclairage dans la cabine. Puis, un tube de sécurité. Nous éteignons les pompes hydrauliques, même que les pompes à kérosène. Ok, messieurs, dames, voici notre American Airlines 737-800. Et maintenant, nous allons nous déconnecter et nous allons revoir atterrissage. Voilà. Donc ça, c'était mon approche finale.
pour le moment, je n'ai pas encore installé le landing rate display. Mais il me semble que l'atterrissage était super, super, super souple. Ok, maintenant voyons ce que les passagers ont vu. Donc à la prochaine fois.